Bonjour mesdames messieurs, je m'appelle Martin Clavé bédard accompagné de mon ami Carl Sanson. Nous sommes la Florida le podcast ou Snobber 2.0. Très fier d'être avec toi, Carl, sincèrement, en toute sincérité. Si tu savais tout ce qu'on a fait depuis 2019 pour arriver à faire un podcast toutes les, perso toutes les personnes qu'on a sollicitées avec qui on a discuté quelqu'un qui va le faire quelqu'un qui attend c'est quoi un podcast on, 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 on discutait de ça avec plusieurs personnes et finalement on est arrivé à, en parlant avec François Forget de Caméléon Productions. on a dit bon et là on part ça Maintenant, Il faut que tu te mettes un échéance je, dis, je pars ça telle date oui. puis après ça pendant ce temps-là j'écoutais plusieurs podcasts en anglais en français euh, principalement en Amérique du Nord mais aussi en Europe tout ça puis quand je t'ai entendu dans un podcast, j'ai dit ça me prend Carl Sanson absolument. Non, j'ai dit ça me prend Carlos de Punisher. mais j'ai dit ce gars doit avoir un vrai nom. <laughs> Et c'est Carl Sanson. Et là j'apprends en te parlant que tu viens de Charlebourg, puis on est deux gars de Québec. Ouais. Puis euh, on évolue là-dedans, puis là je te pose la question. C'est un dimanche après-midi, je pense sur regardais une game de football. Mais là, je t'ai dérangé, Puis là, finalement, on s'est donné un point de rendez-vous après ta game de football on en fait même par téléphone. Quand on a enregistré le premier podcast de cette série-là, on est rendu à l'épisode numéro 11. Quand on l'a enregistré la première fois, on s'était jamais vu de notre vie. Jamais. Je savais que tu étais qui parce que tu as travaillé à Radio à Québec, tout ouais. ça, à Choix Radio X. Mm -hmm. Puis euh, tout le monde avec qui tu as travaillé, c'est des gens que je connais moi personnellement. Mm -hmm. Donc, euh, j'avais une, une bonne idée, puis je connaissais ta voix. Ah oui? Oui, okay. ta voix, quand j'entends, je savais, je, savais, je savais que tu étais par ta voix. Okay. C'est ça la, la, la discrétion de la radio, c'est qu'on ah reconnaît oui. les gens à la voix, mais les gens les rencontrent dans la rue, ils n'ont aucune idée c'est qui. Non. exact. puis, il y en a qui sont heureux là-dedans. Ah, oh, absolument, mais il y en a qui souhaitent ne jamais être à une caméra. Là. Oui. C'est mon cas. <laughs> c'est euh, ben ça. Il y a des gens qui sont faits pour être à télé, ouais. Puis il y a des gens qui sont faits pour rester toujours en arrière-de-micro. Puis il y a ouais. des gens qui sont, sont, sont contents parce qu'il y a une vie plus discrète. Les gens de la radio, c'est spécial. Là. La radio et les podcasts, c'est la transparence. Tu ne peux pas faker. Tu es toi-même. Ouais. Et les gens te sentent quand tu es, es fake. Là. Ouais. Alors c'est ce que j'aime de la radio. T'sais, tu sais, tu... Mettons que tu as un, une classe d'étudiants, tu as 30 personnes qui sont là. Tu leur demandes de fermer les yeux. Puis d'imaginer la plus belle maison que tu aies jamais vue de ta vie. Ça va être 30 maisons différentes. Elle va être plus belle que les 29 autres. Ouais. C'est ça la beauté comparativement, mettons, ouais, mais à la non, télévision à la, et ainsi de suite. Ben, à l'autre podcast que moi je fais, les, les gens ouais. pensent tous à cause que je suis là une fois par semaine. Et puis depuis 5 ans, les gens pensent tous qu'ils me connaissent très bien personnellement, mais c'est pas le cas. J'ai des gens qui m'écrivent beaucoup euh, personnellement tout ça. Pis, c'est parce qu'ils t'entendent directement dans les oreilles. Fait qu'ils pensent qu'ils te connaissent personnellement. Mais je dis souvent à des gens, j'ai dit oh Oui, OK, je suis un personnage, je suis Carlos de Punisher dans le mm -hmm. podcast sur les affaires, je suis ouais. drôle. C'est vrai que c'est moi, je suis authentique, tout ça. Ouais, tout à fait. Mais ils ne me connaissent pas quand même. Il y, y a des gens qui, euh, qui pensent me connaître personnellement, tout ça, mais ils ne me connaissent pas. Moi, Mais mais, mais, mais ça, ça c'est je suis bien correct avec ça puis des fois j'ai euh, c'est arrivé que justement avec l'autre gang on fait le podcast on fait un get together ah c'est oui? quelque chose éventuellement okay. que euh, je suggère au podcast la Floride okay. euh, avec euh, avec ton frère qui reçoit des Richard. gens tout ça puis ouais. euh, Motel Richard tout ça que éventuellement euh, avant Noël l'année prochaine, mm -hmm. ben Podcast La Florida va être présent, mettons, à un événement. Oui, euh, oui. ce soit sur le boardwalk ou n'importe quoi, toi, tu es bon là-dedans, tu invites les gens à venir nous rencontrer en personne. Ça, ils venir nous jaser tout ça. Les gens qui sont fidèles à écouter le Podcast La Florida, ça me fait plaisir d'être là et ouais. d'aller jaser avec les gens. Puis c'est. Es pas gêné. Pas en tout. Mais moi, quand, quand, tu, quand tu faisais. Tes, tu fais encore tes podcasts en dehors de ce podcast-ci, mais quand tu le fais, j'ai vraiment l'impression d'être dans ma voiture, les deux mains sur le volant, puis tu es assis à droite puis tu me parles. Oui. Fait que ça, c'est une grande qualité. C'est une qualité propre à la radio et au podcast, plus qu'à la télévision et ainsi de suite. Merci. Ben, si j'avais eu... <laughs> Il y a des gens qui me l'ont dit. Si j'avais eu une deuxième carrière, ouais. en même temps, où j'aurais parti deux, trois en même temps, ben, en, étant, en étant producteur de films, réalisateur, puis euh, opérateur de caméra, euh, IMAX, tout ça, en, en hélicoptère et, et d'autres, ouais. j'aurais euh, pu être justement animateur radio ou un enfant de même, mais ouais. c'est un job, là. Ah, c'est dit... une job, c'est pas. Puis quand euh... j'étais jeune, j'ai jamais pensé ça de ma vie, okay. jamais... ça m'a jamais fleuri l'idée ou quoi que ce soit. Euh, mais qu'est-ce que tu as fait pour passer de derrière la caméra à on, on air, en on micro? C'est euh, un, un concours de circonstances. Okay. Euh, J'ai euh, un beau-père qui a été malade. Puis on était ici en Floride, puis il a fallu qu'on retourne au Québec. On okay. s'en occuper. C'est une promesse qu'on avait faite, moi et ma femme. Okay. Si nos parents viennent qu'à être malades, éventuellement, on va s'en occuper. Une maladie qui est commune de, dans beaucoup de familles, c'est l'Alzheimer. Mm. Fait que vu que ma femme, elle, c'est le bébé de la famille, okay. c'est elle qui est vraiment le plus proche de son père, sa mère pour s'occuper d'eux autres, fait qu'éventuellement euh, sa mère est sourde. Fait que on, on a jasé ensemble, et on a décidé de remonter au Québec pour aller s'occuper de, de son père et sa okay. mère. Okay. Euh, chose qu'on a faite pendant trois ans. Okay. Puis son père est décédé aujourd'hui, puis c'est correct. Euh, sa mère est bien placée, la vie est belle, puis elle est autonome, tout ça. Fait que là, à partir de là, on est revenu ici. Fait qu'on a eu un petit break de trois non, mais es allé, ans. Mais t'es allé là? Et pendant que je suis revenu, à ouais. ta question, ouais. Martin, pendant que je suis revenu au Québec, euh, j'assistais régulièrement à des émissions de radio pour faire de la promotion de mes films que je faisais tout ça oui. puis euh, j'étais un ami euh, personnellement à Jeff Fillion okay. et euh, je passais régulièrement à son émission puis je ai, Jeff, il m'a dit Jeff et tu devrais venir venir une José plus souvent parce que tu as de la josette <laughs> as beaucoup de belles histoires à nous raconter ah, oui. fait que éventuellement j'étais une genre de semi retraite en plus fait que j'ai décidé euh, ben oui ben oui c'est une genre de semi retraite même je suis jeune pareil. Ah, oui, fait que j'ai décidé j'ai décidé de, de, de commencer à participer <laughs> Puis honnêtement, j'ai commencé à prendre goût. Pourquoi? Parce que c'est des bonnes personnes. Il y a une super bonne équipe. Okay. Ça, pour moi, c'est hyper important qu'il y ait une chimie. Mm -hmm. J'ai une chimie avec toi, ce qu'on n'a pas depuis longtemps. Moi, on a une excellente chimie dans le podcast. Mm -hmm. euh, fait que là, ça fait déjà... J'ai fêté le cinquième anniversaire euh, printemps passé avec l'équipe de Radio Pirate. Okay. Puis c'est euh, rendu, rendu des chums. Ouais. Je m'amuse. Dans la vie, faut, quand on va travailler, il faut avoir du fun. Ben, moi, j'en ai. Bon, <laughs> ben, c'est ça. Ben, c'est la même gang avec eux autres. J'ai commencé à y prendre goût. Puis je suis un gars qui euh, je suis un gars qui aime la perfection. Ouais, je, je sais. Un, je suis un gars qui est euh, difficile. Euh, je suis difficile avec moi-même. Euh, je suis difficile. Je suis un gars qui s'entraîne. Je suis un gars qui, qui, est, qui est bien particulier en certaines affaires, sans être trop, euh, trop fou non plus. Là, tu dis difficile, difficile. Mais je suis un gars qui aime performer dans tout qu ce que je fais. Exact. Fait qu'à partir de là, j'ai décidé de... Apprendre le métier, c'est comment être en arrière-de-micro. Les gens pensent que c'est facile, tu fais juste parler, blablabla, mais il y a beaucoup de techniques là-dedans à apprendre, oui. il y a beaucoup de choses. Je suis un réalisateur à base, puis j'ai produit des, des belles mmh. choses dans ma vie. Euh, fait qu'à partir de là, je comprends le métier déjà, je comprends le beat. Donc, j'essaie de faire, qu'est-ce que je disais aux autres de faire devant une caméra, mmh. souvent. Donc, c'est un peu m'éduquer moi-même là-dedans, puis de me coacher moi-même. Mm -hmm. Ça me pris un certain temps, mais là, je, suis, je pense que je suis rendu à l'aise dans le domaine. Puis quand je dis à l'aise, c'est parce que j'ai une belle équipe à l'endroit de moi. Fait oui. que si tu une belle chimie, tu une belle équipe. Oui. Bien, ça te pousse à performer. Puis toutes les fois que je t'en avec les bois, j'ai toujours un sourire d'en face. Je suis je tout le sais. temps heureux. J'ai tout le temps du fun. Euh, je suis un gars déjà qui a un bon caractère. Moi, je me lève le matin, puis euh, je me lave les dents, puis je vais, je vais m'entraîner, puis j'ai un sourire. Tu sais, j'ai pas, un... pas le goût de manger du monde, là. Okay. Je suis pas de mauvaise humeur. De toute façon, je tu fais assez de sport humeur. pour euh, Oh oui, je brûle. J'ai pas, pas le choix de ventiler, tout ça. <laughs> mais euh, mais j'aime ça. Moi, j'aime la vie. Okay. Moi, à tous les jours, Martin, je me lève pour m'assurer que la journée qui est en avant de moi va être meilleure que la journée d'hier. OK. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, c'est mon, mon dada. Comment je fais aujourd'hui pour être meilleur qu'hier ou meilleur que la semaine passée? Je, te décris je veux comme... toujours m'améliorer. Je te décris vraiment comme une, un perfectionniste, mais équilibré. Oui. Puis, euh, dans ta recherche, au début, on se parlait, l'aspect technique était important, un peu comme un show de radio. Il faut que l'aspect technique soit parfait autant que possible. Mais là, c'est de, de courir après ça ici, en Floride, puis de dénicher tout ça en ben, espérant On va s'améliorer dans la Florida podcast. Oui, Vous allez bien. voir, à un moment donné, le show va s'améliorer. Je commence à travailler avec Martin. Mm -hmm. Il y a des, certains aspects techniques, comme tu parles. Euh, mais à un moment donné, comme tu dis, il faut mettre le point sur la table dire OK, on commence quand, là? Exactement. Puis, c'est quand qu'on part là. le podcast, c'est quand on commence à donner des renseignements aux Snowbirds qui viennent ici en Floride, mmh. avec notre savoir. Oui. Euh, avec notre savoir, justement, puis euh, d'essayer de les éduquer le, du mieux qu'on peut. Parce qu'on va oui. se le dire, sans je le dis souvent, sans prétention, oui. je suis loin de savoir tout ça Floride. Oui. Je suis loin de connaître tout. Je suis loin de tout ça. Fait moi, je donne mon point de vue personnel, mes coups de cœur, les choses que j'aime, euh, les gens qui me connaissent près de moi savent que j'aime les belles choses. Mm. Euh, puis je suis pas gêné de donner mon opinion non plus. Puis si ça fait pas votre affaire. Pas pires amis, Mettez-le de côté. J'ai pas besoin d'être d'accord avec moi. Absolument. Et je suis pas là pour que les gens soient en accord nécessairement avec moi. Les gens, vous vous écoutez. Qu'est-ce qui fait votre affaire? Vous l'absorbez. Qu'est-ce qui fait pas votre affaire? Vous le mettez de côté. Fait que c'est pour ça que floridiens. je donne une appréciation. Exact. Ça fait 20 ans que je suis ici, mais oui. je viens ici depuis... Ticu, j'aime ouais. ça le dire, Ticu, quatre ans. Ouais. Je viens ici à cause de ma tante Gisèle et mon père Armand, mes parents. Ma tante avait un condo, mon père avait un condo, son frère et soeur. Ils ont acheté les condos en même temps, sur sont les 16, ce sont les 18. Puis je venais ici comme un petit cul, ouais. Fait que j'ai appris euh, j'ai appris à venir puis apprécier le sud de la Floride à l'époque. Puis moi, dans les années 80, je, je faisais de la compétition de motocross professionnelle. J'étais amateur, mais professionnel plusieurs années. Puis j'étais basé dans le sud de la Floride, mais je, je faisais de la course partout sur la côte est des États-Unis, mais en plein, plein hiver, c'était basé vraiment dans l'état de la Floride. Fait que, moi, il n'y a pas de cellulaire dans le temps. J'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans, pas de cellulaire. J'avais un, un chum qui venait avec moi de Québec, qui était mon mécanicien, puis on faisait le tour. Mon père me donnait une carte de crédit, puis il disait « Tu me donneras des nouvelles une fois de temps en temps, puis tu sauras comment ça va aux courses. <laughs> » Puis, euh, pas d'assurance maladie oh! dans le temps. Tu, la motocross, tu savais qu'est-ce qui peut arriver. Yo, Mon père me disait si tu te casses un bras, une jambe, ben il dit tu t'as tes bras, tu embarqueras dans l'auto, puis tu me remonteras au Québec, au pire. Tu sais, c'était un cow dans les années. fin des années. milieu, fin des années 80. C'était ouais. comme ça. Mais j'ai été élevé comme ça, apprendre à me débrouiller. Donc, quand je vous donne une opinion sur quelque chose, mais je suis un gars qui vient ici depuis longtemps, puis qu'il a été. Moi, l'État de la Floride, je, je connais pas tout, mais une grosse partie de beaucoup de recoins de l'État de la Floride exact. à cause justement de mon sport, qui est le motocross. Mmh. Le motocross fait... qui t'a conduit à RDS et que RDS a conduit par la suite à la production de films documentaires. J'ai euh, fait des événements de motocross à Québec. Ouais. Comme producteur, j'ai mis les émissions à télé, mmh. qui n'étaient pas télé dans le temps, à RDS et à TVA. Okay. TVA Sport, mais c'était pas TVA Sport, mais c'était la portion TVA. Okay. Sport. Euh, j'ai fait ça. Puis après ça, j'ai été promoteur aux États-Unis. Puis après ça, je suis tombé producteur de films IMAX. Après ouais. ça, après ouais. ça, j'ai fait euh, moins produits, réalisé sur quatre films IMAX. J'ai travaillé sur trois autres aussi en sideline, mais c'était pas okay. ma production, mais ils m'ont demandé. Un gros input dedans. Euh, et fait que j'ai travaillé sur d'autres productions. J'ai fait des productions de télé. J'ai fait un paquet d'autres choses aussi aux États-Unis. J'ai travaillé avec un paquet de grosses productions, réalisations, euh, beaucoup de choses. Okay. Je garde pour moi. Ouais. Mais euh, euh, c'est ça. Fait que j'ai... J'ai un, bon, un bon vécu d'une vibre. un gars de son... De un, mon père, il dit, pour, pour l'âge que t'as, <laughs> d'une une vie d'un gars de 200 ans, d'une vie normale. C'est oh, okay. pour ça que je donne mes opinions. C'est bon. Si je bon. ne pas mon opinion, vous l'aimez pas. Mais tu es un Floridien qui parle français. Je suis un Floridien. Plus que moi qui est un snowbird qui vient passer six mois par année. Oui, puis j'ai deux garçons qui sont. C'est des anglophones. Là. Je veux dire, oh, mes oui, gars, il ils ont pris l'école ici en première année, puis en quatrième année, ils ont commencé. Fait que deux ils n'ont pas d'amis en français, finalement. Il y a zéro. On zéro. Même dire. leurs amis américains ne savent même pas qu'ils parlent français, à part quand je suis là. Hey, je veux pas qu'on nomme le nom des artistes. Hier, on s'est parlé en dehors des ondes après euh, le, 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 une, un des épisodes qu'on a fait. Et je te nommais des artistes québécois et tu les connais même pas. Non. Je capotais. Non. Je, écoute, j'étais je, je flabbergasté. Je peux pas comprendre que ce gars-là ne connaisse pas tel, 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 tel ouais, artiste. Mais ouais. c'est normal. Avant tes 20 dernières années, tu produisais donc des, des films Imax, tu étais ouais. partout à travers le monde, sauf, mettons, à Québec, ou très peu souvent. Mais j'étais quand même au courant quest ce qui se passait à Québec, oh, ouais. tout ça, mais il y a des noms que j'ai aucune idée. Mais, mais mon frère Richard, Richard Motel, c'est la même chose. Lui, ouais, il est, est parti ça. en 84. Alors, il va. Parce qu'on est commanditaire de la salle au club tropical de Arundel avec les spectacles de francophones, les, les Laurent Tu C'est moi, j'ai jamais été là, là. Ok. Non, mais à cette salle-là, mon frère, tu... s'en va. Oui, je vais t'inviter à, à venir ouais. faire un tour. Mon frère va là en tant que commanditaire. Il participe il donne des sous. Le commanditaire est affiché et tout ouais. ce qui s'ensuit. Mon frère s'en va là, puis à un moment donné, Jean-Marc mmh. Parent se présente sur scène puis commence à faire un bout de show. La semaine devant, c'était un chanteur qui était là. Alors mon frère amène sa conjointe qui parle juste espagnol, il parle pas ni anglais ni français. Okay. Alors, il regarde Jean-Marc Parent parler en s'attendant qu'il va commencer à chanter à un moment donné. Lui, il pense que Jean-Marc Parent, c'est un, un chanteur. Alors là, il fait une ou deux jokes, Jean-Marc Parent. Mon frère se retourne vers sa blonde puis il explique c'est quoi. Il traduit en espagnol c'est quoi la, la, le gag. Là, il dit, il dit à sa blonde, « Ce sera pas long. Il, il va, va se mettre à chanter. <laughs> » Donc <laughs> qu évidemment que c'était pas. À le raconteur d'histoire, il chantait pas, là. Ah, c'était pointant. Puis là, après ça, quand lui, il voit Yvon Deschamps à gauche, il a aucune le idée c'est qui. Là. Ça, c'est le gars de Flash les Lumières, ça. Oui, okay. Flash les Lumières, oui, exactement. Okay. Mais pendant ce temps-là, mon frère, il regarde un, un spectateur dans la foule qui signe des autographes. Ouais. Et son nom, c'est Yvon Deschamps. Mais mon frère, c'est pas c'est qui, là. Il ne sait pas c'est qui, Yvon Deschamps, qui est ça, ou où presque. tu ce GND. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai rencontré des gens dans la salle au Club Tropical, je te l'ai peut-être déjà dit. Qui avait aucune idée de qui était Yvon Deschamps et Jody Richards se demandait pourquoi il signait des autographes. Puis ce, cette personne-là, c'est un Québécois qui était parti en 1969. Et là, j'y ai comparé. Ouais. J'ai comparé Yvon Deschamps à Maurice Richard. Tu connais Loki? Oui. Tu as connu Maurice Richard? Ben, oui. oui. Ben je suis ça. Je... Ben ben dans oui, dans ben oui, ben oui. Dans le bonhomme, dans le... le bonhomme, <coughs> ah, oui. Qu'est-ce qui est drôle aujourd'hui, c'est qu'ils vont des ne pourrait pas faire 90 des farces qu'il faisait. C'est épouvantable. Dans le monde d'aujourd'hui. Ça, 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 moi, personnellement, ça me fait de la peine. Ben, moi, ça me fait de la peine pour les humoristes d'aujourd'hui. Parce oui. que la réalité, c'est que, prends juste les titres des sketchs vont des Deschamps, juste les titres. Tu oui. pourrais même pas les nommer présentement, non? Mais la différence, c'est aux États-Unis, exemple, oui. il y a des humoristes, qu'eux autres, ils s'en de tout ça complètement. Mm -hmm. Chappelle, Chappelle, lui, c'est. Wow coupeau, il s'en sac complètement. Vous payez, vous venez me voir. Ses salles sont pleines, ils sont right. sautes tout le temps. Fait que lui, c'est son show, c'était pas de bonne humeur. Bill Burr, c'est pareil, là. Right. Bill Burr sans sac. Puis il y en a plusieurs, là, je veux dire. Right une tonne là, qui eux autres ou wow, au coup, c'est votre problème à vous autres. T'as payé ça, pour venir dans la salle. Ça. Exactement ça. Ça, j'aime ça parce qu'il y en a qui se tiennent debout là-dedans. Okay. Fait que, qu'est-ce qui se passe à Floride aujourd'hui? Écoute, euh, dans un premier temps, je veux juste faire un, un récapitulatif de qu'est-ce qu'on a fait dans les dernières semaines. On a parlé d'alimentaire, on a parlé de restaurants on oui. a parlé de supermarchés on a parlé des applications, on a parlé du tourisme, de, des attractions, des parcs nationaux. Nationaux. On a parlé des plages puis on va en reparler. Tu as parlé d'économie, tu as parlé de la On va toujours va de parler des plages, Absolument Martin. On va pa toujours parler de certains packs nationaux avec exact. nos coups de cœur. Euh, parce qu'à un moment donné, mouchti, là, fait qu'il euh, y a des pactes. des fois que je vais visiter, que je savais qu'ils étaient là, mais je n'y ai pas été. C'est sûr que je vais donner des inputs personnels. Puis Si on a des gens qui nous écoutent, oui. puis que eux mmh. autres ils euh, ont des petits secrets cachés oui. de packs qu'ils ont, il oui. y en a qui ne veulent pas le dire aux autres. Non. <laughs> On s'est fait reprocher oui. ça. On en a parlé lors du dernier. Au épisode. River Park, il y a du qui a, a écrit, dit, hey, donne pas notre, notre petit secret dans ce coin-là. Parce que j'ai expliqué que ah. si tu as des enfants de bas âge ou tu ah. pas avoir les vagues de la mer, oui. parce que le vent souvent est euh, sud-est, oui. donc on vient de euh, les Bahamas, oui. donc ça pousse vers ici, donc un peu plus de vagues, un peu plus de vent sur la plage, tu vas de l'autre côté, où River Park, oui. au Letter River Park, qui est l'autre bord de l'intercostale, mm -hmm. puis c'est comme une baie, puis il n'y a à peu près jamais de vent, Martin, il n'y a à peu près mmh. jamais de vent. Il y a, a quelqu'un qui dit hey, Donne pas notre secret. Ben oui, mais on est obligé d'en parler, on est, ben là, oui. on est là pour ça. On est là. Des secrets, là, il y a des. Il y a des dizaines de millions de secrets ici dans l'État de la Floride. Puis on va essayer d'en dévoiler tranquillement. Puis ceux qui, qui y retiennent, bien, tant mieux pour eux autres. Puis, Absolument. Ça, ne changera pas mmh. sous la chalande. Tu as parlé des festivals, des événements, des, euh, du sport professionnel. On a parlé un petit peu en surface d'immigration. Tu as parlé de sport automobile beaucoup. On a parlé des aéroports, des ports de croisière, les croisières en tant que telles, la police. Comment agir avec la police? Tu as parlé des systèmes de douane. On a dit quoi, icon dit, of the quoi, seas. Oui. Icon, icon of the Seas, icon of the seas ouais. a commencé à aller au port de Miami, puis faire leur premier voyage sur le bateau Martins. C'est combien, je pense, c'est 7500 ah. ou 8000 personnes, incluant le personnel de bord. C'est pas juste ça. Quand tu regardes la grosseur du bateau, quand il est rentré, c'est à Port Everglades pour faire une genre de démonstration. puis Dans le port au de Miami, de là, oh, ah. ça n'a pas de bon sang. C'est de... gros. C'est comme... C'est comme tous les bateaux sont gros, mais lui, c'est comme... Cinq fois plus gros. Ça n'a pas de bon puis sens. Puis quand tu regardes les couleurs puis les lumières, parce qu'à ce temps, le monde, il y a un genre de petit drone. Là, fait qu'il prend des fonds, des vidéos avec le drone à l'entour du bateau. Mm -hmm. On dirait que c'est un parc d'amusement sur flotte. OK. Les couleurs, le rouge, le vert, le rose, le bleu. Wow. Puis, puis tu vois le monde. Ça, ça a l'air. Écoute, j'ai des gens qui m'ont dit, pour on a débattu un peu. Moi, je ne un gars de croisière. Moi, je ne veux rien savoir des croisières, mais ça, ouais. c'est moi, personnellement. Oh, oui. Mais c'est pas compliqué. Ici, à part Everglades, qui oui. est la 17, euh, c'est un, un, un très gros port. Il y a beaucoup, beaucoup de Québécois qui euh, partent de Québec, puis ils viennent en croisière, puis ils décollent d'ici. On l'avait dit aussi, puis on l'a recommandé. Prennent toujours, prenez toujours l'avion 24 heures avant. Ben, oui. Fiez-vous pas un vol. Même si vous êtes en plein été, ouais. vous ne savez pas si le vol de Air Canada ou Air Transat, il arrivait d'une autre destination, puis il y a un problème avec l'avion, il y a un problème de pilote, ouais. il y a un problème mécanique. Ça se peut que l'avion ne décolle pas le matin, puis vous fait manquer votre connexion ici avec… Euh, avec le bateau de croisière, puis la, la croisière vous remboursera pas. Là. Ça n'a pas rapport avec, avec le bateau qui décolle. Là, oh okay? oui, Votre vol d'avion, d'où ce que vous venez. Donc, Arrivez toujours 24 heures d'avance, venez souper à Fort Lauderdale, on vous donne. J'ai donné dans des podcasts avant, des, des références de restaurants, mes petits oui. coups de ça je j'ai pas fini. Okay. Je pense qu'à tous les un ou deux podcasts, je vais t'arriver avec des petites surprises. Allez, allez essayer ça, parce que moi, j'ai été local Fort Lauderdale 17 ans. Ouais. Fait que je connais très, 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 très bien le coin. Non seulement tu connais des restaurants, mais l'histoire du restaurant. Oui, souvent l'histoire du restaurant. Puis on a connu <laughs> tous les bartenders, puis ouais. les barmaids, puis les serveurs, tout ça. Puis souvent les propriétaires aussi ouais. des restaurants. Puis euh, ça changeait beaucoup. Il y a eu un gros boost dans les cinq dernières années dans le town Fort Lauderdale. Il y a eu un changement de restaurants aussi. la là, s'est après changé. Euh, c'est comme euh, Adel Ray Atlantic, euh, Atlantic euh, Avenue, pareil, est après changé. Il y a un paquet d'additions, il y a de la vie. Euh, c'est le, le fun de voir ça parce que euh, la après depuis une couple d'années, est après se rafraîchir au complet. Il y a vraiment une cure de rajeunissement. Ouais. Euh, euh, fait que c'est pareil un peu partout. Fait que c'est le fun, ça bouge, ça bouge beaucoup. Surtout après l'histoire de la COVID, parce qu'il y en a plusieurs dans la COVID, même si Ron Desantis avait décidé de ne pas fermer les commerces, mm -hmm. il y avait quand même moins de touristes, oui. il y avait quand même moins d'achalandage, oui. les restaurants, il y a quand même des gens qui avaient peur, qui restaient oui. plus chez eux. Il y a eu quand même un genre d'ajustement. je te dirais depuis un an, il y a des choses qui ont fermé, il y a des choses qui ont réouvert. Si oui. tu quoi, c'est comme dans n'importe quel business, puis tu le sais, tu étais dans plusieurs business perso. Là. À un moment donné, tu appelles ça faire un nettoyage, un nettoyage oui. naturel. Ouais. Il, y a des, il y a des choses qui avaient déjà moins bien vieilli à l'époque. Il y a des gens qui s'étaient moins entretenus, soit leur restaurant, leur bar, n'importe ouais. quoi, puis ils étaient dû pour fermer. Ouais. Puis ça a été le coup de grâce à la fin. fait que finalement, ils ont fermé. Exact. Puis ça a été remplacé justement par des choses nouvelles. C'est le fun. Mais, mais au, Québec, au Québec, c'est la même chose. Je pense que, si, je ne veux pas dire n'importe quel chiffre, mais je pense que janvier, février cette année 2024, il y a 400 restaurants qui ont fermé. Mais c'était dans plusieurs cas pas de cachet des restaurants qui avaient plus de difficultés en 2019 avant l'arrivée de la pandémie. Oui. Donc les subventions qui ont été données ont juste peut-être étiré l'élastique un peu. Mais c'est un phénomène nouveau. Regarde, à Montréal, tu avais euh, à peu près 1000 restaurants qui fermaient par année avec l'arrivée du MEV à un certain moment donné. Oui. Mais il y avait trop de restaurants à Montréal. Je pense qu'il y en avait 6000 sur l'île de Montréal, puis il y avait 4000 restaurants sur l'île de Manhattan pas normal. Mais non, mais non, mais non. T'sais, fait il y a un petit nettoyage qui se fait, puis après ça, ça, ça te permet d'avoir de nouveaux restaurants, puis des nouvelles destinations, puis des restaurants qui sont plus internationaux, moins, moins locaux, là, mais qui t'amènent de la nouvelle bouffe. Puis... Exact. Puis ici, ici c'est une plaque tournante. Là. Le sud de la Floride est une plaque tournante pour euh, les Caraïbes, pour l'Amérique du Sud. Ouais. Fait que ça bouge ici. Là. Ça bouge ouais. en tabarnouche. Les gens qui habitent dans les Caraïbes, puis les gens qui habitent au Bahamas, il ne faut pas oublier qu'ils font leur, euh, leurs emplettes. Oui. Les, hein, ils, magasinent, ils magasinent ici en Floride. J'ai ça, moi. Ils ouais, oui, 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 oui. arrive à, sur commercial dans avion, oui. puis en avion. Ils s'en viennent, entre guillemets, tu sais, fixe, les, euh, oui. ils, ils viennent ici, les puis euh, ils achètent les magasins. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de magasins ici en Floride. Ouf. La Floride, le, les porcs alimentent toutes les Caraïbes. Ouais. Je veux dire, les framboises, les bleuets, les fraises, les légumes, tout ça. Je veux dire, c'est. L'État de la Floride est un État d'agriculture. Oui. Fait que nous autres, à Québec, on a. Je, je fais une face, mais on a l'île d'Orléans. C'est oui. Toute l'été, l'île d'Orléans, ouais. les produits qui viennent de là, c'est les meilleurs au monde d'après gens du Québec. Mais l'État de la Floride est un État d'agriculture. Ouais. Donc, l'État d'agriculture alimente tout ce qu'il y a dans les îles ici. Parce que dans les îles, souvent. Ah, okay, okay. Ben oui. OK. Ben oui, manège j'étais à Barbade, j'ai parlé à des gens, ils ont dit ça fait deux ans qu'il ont pas mouillé. Bon, L'année d'après, ils ont eu deux ouragans. Ben, ils ne sont pas fait scraper les ouragans, mais il y a eu beaucoup de pluie, les ouragans, tout ça. Ouais. Ils, ils disent. Ça fait plusieurs années qu'il n'y a pas mouillé. Mmh. On n'a plus rien, il n'y a rien qui pousse. OK. Fait Tu viens de chercher les ben, produits d'agriculture de la Floride. Ben oui. Puis je, je voyais les framboises, les fraises Driscolls, puis Driscoll's, à faire là, puis tu vois toutes les affaires. Puis je voyais tous les noms, puis ça menait tout de l'État de la Floride, puis ça, ou de la Californie ou du Mexique. Fait que je riais, <laughs> tu sais. Mais c'est pour ça qu'un casseau de fraises, puis un casseau de framboises coûte 12$ dans les îles, là. Oh! Okay. Oh, oui, c'est l'ospied à Saint-Martin, ouais. tu descends tout le long. Là. Ceux qui, les Québécois qui vont dans les îles le savent, c'est okay. extrêmement dispendieux. Okay. Ça va euh, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'agriculture, eux autres. Okay. Fait que, euh, que c'est ça. Fait que la Floride bouge est vibrante. Il y a beaucoup de choses euh, qui se passent. c'est ça qui est le fun dans les restaurants. Parce que... C'est tellement de l'agriculture que justement, tous les légumes et tous les fruits sont frais. Ouais. Il y en a plusieurs qui viennent d'ici. C'est pour ça que tu dis il me semble c'est plus goûteux, me semble. Ouais. C'est pour ça que je dis souvent je sais que tu me dis, les chaînes, moi, j'aime ça prendre des. des, 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 des les restaurants locaux, tout ça, ouais. les affaires, ils s'alimentent localement aussi. C'est bon. Les croisières, fait... les bateaux de croisière sont alimentés oh! par ici. C'est épouvantable. disais un contact là, qui était oh Oui, dans qui le, fait le, le contrôle des qualités. De qui 3. fait le contrôle des qualités. Puis euh, eux autres, ils ont une briquette pour rentrer le stock, sortir le stock. Puis eux autres, c'est rentrer puis euh, hors le bateau. Eux autres, c'est C'est la... pas compliqué. C'est un champ de bataille le samedi jusqu'au dimanche qu'attend jusqu que le bateau décolle. Ouf. Ils doivent avoir un, un pouvoir d'achat incroyable. Mais, voyons. C est, c est, c est... Au volume, là? Et hey, hey, vous pensez qu quelqu'un qui est juste un fournisseur d'une compagnie de croisière, mettons Carnival Cruise. Oui. Je dis juste Carnival. Carnival, c'est un peu plus gros, mais je dis Carnival Cruise. Puis vous, vous fournissez les tomates, puis les cocombes sur Carnival Cruise. Mais je peux vous dire que votre récolte va juste à Carnival Cruise. Vous n'êtes pas capable d'en fournir un autre. Ben, voyons. Ben, voyons, bon. ben oui, ben oui. C'est normal. C'est normal. Puis ils signent des contrats d'exclusivité, tout ça. Puis, euh, non, non, c'est du stock. Là, c'est beaucoup de choses. Chaque transport. personne, dans une semaine, mange 21 repas, fois deux par chambre, 42 <laughs> fois. Je ne suis pas au de porte. Ça n'a aucun sens. Non, 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 bon non, c'est des usines en tabarnouche. Alors, ils vont comme ça. Pour euh, voir le futur, il faut connaître le passé. Oui. Euh, moi, j'avais le goût de ramasser un peu de statistiques j'ai pris à gauche et à droite pour euh, te raconter un peu l'histoire qui lie les Canadiens, les Québécois à la Floride. OK. Euh, y a, euh, je prends mes sources dans trois différentes places. Le Consul du Canada à Miami, l'organisme que je vais vous parler tantôt qui s'appelle Visit Florida. Et je prends surtout ça d'un livre qui, que j'ai lu en 2016, qui s'appelle Je le montre à la caméra pour ceux qui le voient, puis qui, au lieu d'écouter l'émission, qui la voient. Oui. Bien, euh, c'est Serge Dupuis, qui est un historien de l'Université d'Ottawa, qui a sorti le livre Plus peur de l'hiver que du diable. Plus peur de l'hiver que du diable. J'aime son titre. Et la raison pour laquelle j'ai été mis en contact avec ce gars-là, c'est que son adjointe administrative m'avait contacté. Pour nous, de nous demander la permission d'avoir le logo de Richard Motel. Alors, okay. le frontispice, c'est tout simplement le drapeau des États-Unis, wow. le, le drapeau du Québec et aussi l'affiche de Richard Motel. Alors, ce gars-là con me contacte par l'intermédiaire de son adjointe administratif, puis il me dit "Écoute, on fait un livre sur l'histoire qui lie les Québécois et les Canadiens à la Floride." Puis on aimerait prendre votre photo officielle. Alors j'ai évidemment demandé à l'auteur de la photo la permission de le faire, mais j'ai rencontré ce gars-là, Serge Dupuis, euh, qui est donc historien. Fait il m'a donné de l'information. Euh, il est venu faire une conférence chez Richards Motel pour expliquer aux Québécois toute cette histoire-là. Puis euh, c'est vraiment un chic type. Puis le livre est drôlement intéressant. Alors les sources que je vous donne viennent de là. C'est contestable peut-être dans certains cas, mais je vous dirais que généralement c'est quand même très intéressant. Les premiers Canadiens français qui sont devenus des résidents de la Floride sont tous décédés en 1928 lors de l'ouragan de 1928. C'est ce que le, le livre dit et sont décédés dans, dans l'ouragan de 1928. Mais plusieurs des rues du centre de l'État de la Floride portent le nom d'un francophone, de plusieurs francophones. Okay. Notamment Belland Street. Alors tu t'en vas dans le centre des États de la, de la Floride là, et tu vois Belland Street. B E L.A.N.D. Balance Street. Alors tu peux voir ça. Ça c'est la descendance, c'est des Canadiens français, des Québécois qui sont décédés euh, donc en 1928. La deuxième tranche de Canadiens français explique notre présence à toi et ici en Floride. Des Québécois qui faute d'emploi dans les usines au Québec, ont décidé de s'expatrier dans les villes frontalières. Je parle évidemment euh, de l'État du Maine, de New Hampshire, le Massachusetts, le Vermont. Alors, il n'y avait Ça, c'est après, après, après la Deuxième Guerre mondiale. Pas tout. A... C'est avant. avant. Avant? OK. okay. Avant. Alors, les hommes qui se sont retrouvés, donc, dans ces Québécois qui sont dans les villes du nord-est, du, du, c'est ça, du nord-est des États-Unis, eux autres, donc, se sont retrouvés des, des emplois dans les dans les usines oui. du nord-est des États-Unis. Il y a toutes des noms francophones. C'est 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 incroyable. En, en Nouvelle-Angleterre, j'ai plein d'amis là-bas, puis ils ont tous des noms francophones. Exact. exact. Mais ces gens-là, en troisième génération, ils ont probablement tous perdu le français, ou un, Mes chums qui ont mon âge, mettons 50 ans, là, ouais, oui, ouais. il y a un point qui ils parlent français. Mais ah non, il a, ça. Ils, ils savent tous les mauvais mots, pour rire. rire. Leurs parents parlent français. <coughs> OK, oui. Le père ou la mère parlent français. Oui. Mais les enfants n'ont pas pris le français. Alors pourquoi que, euh, ils se sont retrouvés en Floride, du nord-est des États-Unis, de se retrouver finalement au sud-est? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les camps de pratique, les camps d'entraînement de la Deuxième Guerre mondiale étaient ici. En, en Floride. Floride. Les camps d'entraînement étaient ici. Ayoye. Alors ces gens-là, qui parlaient originellement français, qui travaillent dans les usines du nord-est des États-Unis, se sont retrouvés dans les camps de pratique. Ils ont tellement trouvé ça, la température adéquate, puis le coût de la vie bas, qu'ils ont décidé que... Bien, ce qui se disait dans le livre, là, ce qu'il se raconte, c'est si on sort vivant de la deuxième guerre mondiale, c'est si qu'on vient. C'est ça que j'allais dire. Si sortent vivants de la deuxième guerre mondiale. C'est ouais. ce qu'ils se sont dit. Première raison, le climat. Deuxième raison, le coût de la vie bas. Et c'est tellement resté longtemps que même jusqu'en 1970, on dit qu'en 1970, quelqu'un pouvait vendre sa maison à Montréal, acheter deux maisons à Miami. Ok. En 1970, ça fait quand même pas non, si on longtemps. Pas si loin que ça, que ça. Non, je comprends. Voilà pour ça. Et l'autre histoire, c'est que. Le trajet pour partir du Québec, du Canada et s'en venir en Floride, il prenait six ou sept jours. Que tu le fasses en train, à l'époque, que tu le fasses en train ou que tu le fasses en auto, parce que la route, la US One, rencontrait. Ça veut dire qu'il n'y avait pas deux voies d'un bord, deux voies de l'autre. Tu rencontrais. Donc, c'était six ou sept jours pour monter en Floride ou descendre en Floride. Il s'ajoute des éléments. On se comprend, on ne se fait pas de cachette. on est intime dans le, le podcast. On est un peu centre droit tous les deux, politiquement. Mais il faut donner à César ce qui revient à César. Les programmes sociaux du Québec ont fait que beaucoup de Québécois ont décidé de venir ici. Les plans de retraite ont, ont fait que les gens sont ici. Et l'assurance maladie a fait que les gens sont ici. Mais le quatrième élément, par-dessus ces trois-là, je le mettrai numéro un c'est l'espérance de vie prolongée. Ben oui. Souviens-toi, on a tous passé le journal quand on était jeune. Moi, je passais, j'avais quatre runs de journaux. Deux soleils, deux journaux au Québec. Mon frère avait quatre tonnes de journaux. Mais je me rappelle d'avoir ouvert le journal à un moment donné, puis d'avoir je voyais des gens, c'était écrit mort naturelle à l'âge de 42 ans, telle personne. Vois-tu ça aujourd'hui? Non. Donc l'espérance de vie a tellement augmenté que les gens sont mis à passer après la retraite pas mal d'années ici en Floride. Okay. Et dans le dernier podcast, je te disais que la statistique de 2022 ou 2023 parlait que des enfants qui sont en maternelle aujourd'hui, 50 vont devenir centenaires. Donc, on va en passer des années en, en Floride. La présence des Québécois en Floride a aussi euh, été marquée, quand même, d'épisodes de décroissance. Là, c'est le côté un peu, un peu plus sombre. Tension raciale dans le début des années 90. Le président de la Chambre de commerce de Hollywood accuse publiquement les commerçants canadiens d'agir en mauvais citoyens dans leur euh, entêtement de vouloir s'isoler en enclave. Mettons, Broward. C'est-à-dire de de dire euh, partir des commerces seulement dans le coin de Miami-Dade ou de, ou de Broward. C'est une, la... une, une façon de provoquer ça. C'est le président de la Chambre de commerce de Hollywood à l'époque qui avait dit ça. Il nous accusait de faire flotter le drapeau du Canada puis du Québec. Il nous accusait aussi de refuser ça, c'est une pierre angulaire de refuser d'apprendre l'anglais. Mais à ce moment-là, l'espagnol gagnait tellement en puissance. Je ne sais pas si je t'ai déjà donné les chiffres. Là. En 1990, 12 des Floridiens ne parlaient qu'Espagnol. Puis en 2010, 23 de tous les Floridiens ne parlaient qu'Espagnol. Pratiquement doublé. Ça, exactement. Et pendant ce temps, toujours en 2010, 60 des gens de Miami ne parlaient qu'Espagnol. Alors la Floride est, devenue, est rentrée comme dans un mouvement où l'anglais devenait la langue officielle unique de l'État de, de la Floride. Et pour ce faire, on a redécoupé des, des, circo des circonscriptions pour minimiser le poids démographique des Latino-Américains. OK. Ça fait que ça, dans les années 90. En 91, toujours, un camionneur américain fixe un autocollant sur son truck. C'est écrit « I would die happy if I didn't see another license place from Quebec ». 1991. 92, il y a un animateur de radio de Fort Lauderdale qui dénonce des touristes canadiens au maillot faisant un peu paraître trop les bourrelets. Okay. Un animateur radio, donc, à West Palm Beach. Et des, des styles Elvis Gratton. Euh, oui. Elvis Graton avec un speedo. Il y en a un, un animateur à West Palm Beach, une station de radio, qui a dit qu'il a invité les Québécois à retourner chez eux, d'y rester puis de ne revenir. Oui. Parce qu'il était tanné de voir, euh, effectivement, les bons... Le, de, bon de voir les volets, Elvis Graton <laughs> de la gang. Exactement. Oui. Ça Il ne faut pas oublier quand... Il oui. bon, y a, a l'Elvis Graton qui est sorti et le film... La Florida. La Florida, qui a sorti, je crois, en 91. 90, précisément. 90, mais vois-tu, le timing est tout là. Exact. Je continue. Il s'est créé de nouvelles taxes foncières aux résidents temporaires. Il y a certains politiciens qui étaient tannés de voir des plaques d'immatriculation étrangères qui proposent, ça n'a pas été accepté, d'obliger les hivernaux à se procurer une plaque et un permis de conduire de la Floride obligatoirement. Il y a des Québécois canadiens... Bouge pas. Ok. Et pourtant, nous, les Québécois canadiens, on n'utilise pas beaucoup le système public ici, là. Très peu, parce qu'on va voir notre médecin avant de partir à l'automne. Ça, c'est une affaire, par exemple. Toujours aller voir son médecin au printemps. Pour, si vous avez un changement de médication à faire, il faut le faire au printemps parce que ça prend six mois normalement à s'habituer au système. Puis faire en sorte que la compagnie d'assurance te laisse ensuite partir en Floride. Okay. Fait tu y vas au printemps, tu n'attends pas à l'automne. Si tu attends l'automne, tu fais changer ta médication, tu as un six mois à attendre avant que… Je tape au courant. Ben, C'est beaucoup, beaucoup ce qu'on dit. Donc, 92-93, une série de vols, d'agressions et de blessures touchent les Canadiens. Entre 92 et 95, Carl, la fréquentation des Canadiens en Floride a chuté de 32 Okay. À l'époque. Il y a des garagistes qui ont refusé de donner de l'essence, de vendre de l'essence. ont refusé de vendre de l'essence aux Canadiens. J'ai jamais vu ça, les enfants de même. Moi, mais je suis content 90, de l'apprendre pareil. Début wow. 90. Ouais. Écoute, il y a un sénateur canadien qui s'est fait dégonfler ses pneus euh, euh, à la plage de Hollywood. L'hymne national canadien a été hué à une game des Panthers, de, de, Panthers de la Floride contre les sénateurs d'Ottawa. C'est au même moment où le Canada avait refusé de s'allier aux États-Unis pour la guerre en Irak. Bon, mais c est, c est, tu, tu voyais la raison. Mais pendant ce temps, la Floride explosait. Imaginez les chiffres au niveau des résidents en Floride. 9,7 millions en 1980 et passé à 19,9 millions en 2014. Double. Le troisième État le plus populeux s'était rendu la, la Floride avant la Californie et le Texas. Et aujourd'hui, c'est environ 22 millions d'habitants et on vise 30 millions d'habitants d'ici 2030. C'est public, ce qu'on dit ouais, c'est immense. On regarde tous les quartiers comment ça grossit. Tout ça, c'est épouvantable. Alors, ce que ça dit, c'est que si on se rend à 30 millions en 2030, dites-vous que de 1980 à 2030, la population de la Floride aura triplé? On... J'ai lu justement quelque chose là-dessus, Martin. Ouais. Le... Port Saint-Lucie. Le monde oui. appelle ça PSL. PSL. Oui, Port Saint-Lucie -Saint est la deuxième ville la plus en expansion aux États-Unis. Donc c'est gros, là. C'est huge. Quand ils construisent pas une maison, ils construisent pas une rue. Ils construisent des quartiers en simultané. Oui, exact. Ils lèvent toutes les maisons, je ne sais pas, 1500 maisons en même temps, avec des parcs, avec euh, bon, ben des parcs, évidemment, une piscine publique et tout ce qui s'en suit. Là, non, c est, c est, il y a une, une sortie avant, avant Tradition, qui est okay, la main, Tu as Passe Saint-Lucie-Boulevard, puis tu as Tradition juste avant quand tu montes. Puis avant ça, tu as Baker Street. Puis Baker, il y a deux, trois entrepreneurs qui construisent des maisons. Ils ont signé un contrat de 20 000 maisons. Ils ah, viennent bon. de signer ça pour 20 000. Ah oui, oui. Puis ça, c'est avant qu'il y en a double un an ou deux à sortie tradition avec Terrain Golf. Eux autres, à 50-60 000 maisons. Ça fait que ça grossit, c'est immense. On parle d'une future aéroport plus grand, plus grosse que euh, celle de, de Palm Beach okay. à, à Port-Saint-Lucie d'ici 7-8 ans. Okay. Euh, supposément, les permis sont donnés, tout ça, tout est en branle, ils sont après près de et ça. fait qu'éventuellement, ils vont avoir le premier coup de pelle, puis ça va devenir un aéroport international, la PSL. Okay. Fait que le, 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 la Floride, mm. où ce que les gens sont habitués de venir, c'est pas juste le sud-sud de la Floride. Là. Tranquillement, le ça monte vers en haut. Puis les gens, les Québécois sont après de découvrir euh, le, la le côte -est, est, plus un peu plus vers, vers le nord, là, dans le coin de PSL, puis tout ça, là, qui, est, euh, qui est un super beau coin. Là. Je continue... Euh le simili-mouvement anti-canadien a donc pris fin lors de l'arrivée de l'agence Visit Florida, ce que je te parlais au début, Visit Florida, qui est un organisme un peu comme une association touristique régionale, mais pour l'ensemble de la province, c'est-à-dire l'État de la Floride, au début de 2000. Donc, les politiciens ont commencé à sortir de la Floride pour aller à Toronto faire des speeches, pour aller à Montréal faire des trade shows, puis là, ils ont commencé à vanter. Et tout ça est parti du fait qu'il y a une baisse de l'achalandage général de tourisme au 11 septembre 2001. Okay. Alors, c'est toutes là qui ont commencé à, à recourtiser les Canadiens. Euh, Puis ah, la, que... raison, la raison, c'est que les Canadiens passent beaucoup plus de temps dans un même séjour. Ben oui. Quelqu'un qui arrive de Paris, souvent, va passer dix jours ici. Dix jours, tu vas dépenser de l'argent, d'accord, dans différents hôtels, puis ils veulent se promener exact. un peu partout. Mais le Canadien qui est là deux mois, trois mois, quatre mois, il participe à l'économie. D'accord, qu'il money, dépense money, pas. Money, money, money. Par jour, il dépense moins qu'un touriste qui vient ouais, mais jours. Il est, il est ici plus longtemps. Il est ici plus longtemps, puis il participe à l'économie. C'est pour ça qu'on s'est mis à resolliciter. Il y a eu d'autres épisodes plus difficiles. La crise financière de 2007. Washington, à ce moment-là, a exigé un passeport pour tous les Canadiens au lieu d'un simple document euh, légal gouvernemental avec une photo. Là. Mais par contre, 43 des Canadiens avaient déjà un passeport. Fait que ça, ça c'était pas, pas un problème. problème oui. Mais le dollar canadien était pas mal au pair. Les opportunités d'affaires ont commencé. On s'est acheté des condos, on s'est acheté des propriétés en 2007. Yes. Ce qui fait que de 2002 à 2012, le nombre de Canadiens en Floride a doublé. On est passé à 3,6 millions de Canadiens. Aujourd'hui, c'est environ. 4,8 millions de Canadiens et là-dessus, vous avez entre 800 000 et 1 million de Québécois chaque hiver ici en Floride. Wow. C'est du stock. Pendant ce temps-là, dans, dans ces années-là, tu as eu euh, Disney World qui est fait, à Orlando qui a fait une expansion incroyable. Une année, ils ont eu 20 de croissance. Une année. La Floride est donc redevenue attrayante pour les Canadiens, même qu'en 2013, et je complète là-dessus, en 2013, on propose de porter de 6 à 8 mois la permission aux touristes canadiens de venir chaque année si tu as un bail en bonne et due forme oui. ou si tu es propriétaire foncier. Wow! Voilà pour euh, la petite recherche, mon ami. C'est un, un petit cours, cours d'histoire sur la Floride Il n'y a pas dire oh, je suis d'accord avec tout ça. Ben non, mais je le savais que tu euh, serais pas d'accord. Il, euh, il y a quand même des points négatifs, qui ont parce que ça, prenait, ça prend du positif puis du négatif dans l'affaire. L'histoire, c'est des cas isolés. L'histoire du drapeau faire huer, euh, dans le temps de la guerre, ben oui, c'est normal. Les Américains sont extrêmement patriotiques. Très, euh, très. Si euh, Que ce soit les États-Unis, euh, le Canada ou n'importe quel autre pays qui avait décidé de ne pas participer à une guerre pour aller aider, qu'est-ce qui s'était passé le 11 septembre, mm -hmm. c'est tout à fait normal. C'est mm -hmm. normal, normal que c'est hué. Qu'il y ait un cas d'essence, de, que quelqu'un ne voulait pas vendre de l'essence, ah, c'est un, cas isolé, là, on un, un là. cas isolé. C'est un cas isolé sur... Euh, des milliers de stations au ah oui, oui. service, ah oui. des, des fous, il y en a partout. Ouais. Moi, je, moi je, je, ça ne me fatigue pas les affaires de même. Moi non plus. On était ailleurs en 90. ça fait quand même quoi? 30, 30 on, 30 ans, a évolué, on a évolué beaucoup. Ans. Des colons, il y en a partout. Mais des, oui. des il y en a de moins en moins. Des colons, il y a des Québécois, il y a des Américains, ah, il y a des Russes, des Latins, il y en a partout. Un colon, c'est un colon. Point la ligne. Fait à, à partir de là, euh, je veux dire, il y a des réactions de toutes sortes. Mais euh, la Floride s'adapte bien. La Floride est une plateforme touristique. Euh, tu te comportes bien, tu fais bien tes affaires, euh, tu es respectueux, euh, tu as un sourire dans le visage, oui. euh, tu vas passer les trois oui. belles vacances de ta vie. Ah, Parce qu'une chose que la Floride, Martin, se, se démarque de n'importe autre. Moi, moi j'ai été dans les Caraïbes en masse, tout ça. Oui. Je veux dire, la première chose que les gens veulent avoir en vacances, c'est la mer. Oui. Le soleil et la plage. Oui. C'est un, deux, trois. Oui. Si tu arrives à un moment donné, puis il fait pas beau pendant deux, trois jours, euh, faut pas oublier que euh, c'est la période des ouragans de la mi-juin jusqu'à à peu près la mi-Novembre. Donc Quelqu'un qui vient ici l'été, ou n'importe où dans les Caraïbes l'été, tu peux tomber sur une trajectoire, à un moment donné, d'ouragan ou quoi que ce soit. On le sait d'avance. Ou du moins, oui, mais des fois, fois il arrive vite. OK. Mais tu peux, tu peux arriver, tu je m'en vais à Barbade, je m'en vais à Turk and je m'en vais à Jamaïque, mais tu es pris sur l'île. Je veux dire, si tu n'as pas, pas vraiment de baigner parce qu'il vend trop et il ne fait pas beau, ouais. euh, tu es pris dans le resort, puis tu fais juste prendre la boisson, puis tu ne peux pas faire <laughs> grand-chose. Je veux dire, c'est tough un peu. Oh, oui. quand tu viens en Floride, ouais. Bien, à partir de là, tu vis comme si tu étais au Québec, où ouais. tu étais en Floride. Donc, tu as la mer qui est extraordinaire, ouais. la plage qui est extraordinaire. Puis on va en parler d'un épisode un petit peu plus tard, justement, j'ai fait, fait une bonne recherche. Sur les plages? Sur les plages, de l'état de la Floride, ouais. les conditions, tout ça, ceux-là qui, 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 qui se démarquent un peu plus des autres. Je vais en parler dans, dans un autre épisode en détail, gros détail. Ouais. Tu, vois, tu vas aimer ça. Mais, mais tous les événements sportifs, tous les musées... Toutes les attractions qu'il peut y avoir en Floride, le plus gros compétiteur qu'ils ont, c'est pas un autre événement, c'est la plage. mais c'est 100 raison. C'est Leur crainte, c'est ça. Les musées. J'ai vu des musées de voitures anciennes extraordinaires ici pour les passionnés. Mais leur compétiteur, c'est la beach. C'est ça. Quelqu'un qui vient ici en vacances, euh, s'il fait beau, il va aller à la plage quasiment tous les jours. Bien. Euh, mais mais, mais c'est encore la patente, c'est que s'il fait pas beau, bien là, ton alternative. Bien, tu as, as du stock, c'est épouvantable. Qu'est-ce que tu peux faire? Non. Fait que c'est ça qui est le fun. Puis il y en a plusieurs moment donné... Moi, j'ai des amis, perso. Ils se sont promenés pas mal. Ouais. Mais ils reviennent tout le temps une fois ou deux par année en Floride. Okay. Parce qu'ils disent tout le temps, sont si héros avec les enfants, n'importe quoi. S'il si ne fait pas beau, bien, il y a quatre chose à faire. Tout le temps. Tout le temps. Fait que tu sais, c'est ça qui se démarque. Mais, si mais les super... Québécois aiment venir en Floride, mettons, au détriment de certaines îles. Ils viennent... À en Floride parce qu'ils peuvent amener leur voiture puis être autonome en voiture. Oh oui, mais tu peux en louer une aussi. Les prix sont raisonnables. Je vous l'ai dit, Expedia.ca, c'est parce que Expedia, c'est le groupe Microsoft et Expedia détient tous les autres sites. Des fois, ils disent, quel site, Carl, que tu vas? Expedia.ca ou Expedia.com ici. Mais c'est parce que tous les autres sites, Hotwire, puis tout, 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 toutes les autres que. Regarde, il y en a Mais un. Mais Kayak, donc, Google Flight. Tout, tout, ça, ça revient tout à eux autres. Ça revient, ça revient tout, tout, tout à eux autres. C'est okay. tout, tout Microsoft que ça. Ça revient tout sur le groupe Expedia. Tu trouves de... ton compte, tu ramasses des points. C'est la plus grosse agence de voyage au monde. Si tu as un problème, tu les appelles un 800, euh, ils, ils répondent au téléphone, ils organisent ton problème. Si tu as un crédit, ils vont te donner ton crédit de suite. Si tu es dans la merde, ils vont de ça. Je veux dire, ils ont un gros pouvoir d'achat. Moi, je dis à tout le monde, Ouais, mais c'est où le meilleur prix? Regardez là. qu'ils ils n'ont pas le meilleur prix, mais ils sont tout le temps dans les meilleurs prix. Ouais. Leur annonce, est meilleur prix garanti. Mmh. Mais admettons, mettons une petite différence avec ailleurs. Posez-vous la question si y un, si un meilleur prix ailleurs c'est parce qu'il y a peut-être un attrape-négo en arrière parce qu'eux autres, ouais. c'est les plus gros. Exactement. Eux autres, c'est le Walmart, c'est le Sam's Club, c'est le Costco. Ouais. Ok. Ouais. Leur pouvoir d'achat, c'est les plus gros au monde. Ouais. Puis ils garantissent le meilleur prix. Fait que, si quelqu'un fait un meilleur prix, c'est parce qu'il y a peut-être un attrape-négo en, 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 en arrière de ça. Moi, j'ai toujours fait, fait, fait ça, ça pas tout le temps. Elle n'est pas tout le temps au meilleur prix que vous trouvez euh, sur l'Internet. Euh, plusieurs disent l'Internet. Oui, ouais. Faites attention. Expedia.ca, ouais. Expedia.com, quand vous êtes ici, ouais. euh, ils regroupent tout, garantissent tout. S'il y a un problème, vous les appelez. Puis, euh, moi, c'est pas compliqué. Ça fait 20 ans, 25 ans que je un client d'Expedia. Ah, même à l'heure des début, joue... Avant qu'ils achètent tous les compétiteurs. Avant qu'ils achètent les compétiteurs, tout ça. Ouais. c'est vraiment eux autres qui donnent le meilleur service dans tout. Et tu n'as pas besoin. En fait, tu bookes ton voyage, ton, ton vol. Ouais. Puis c'est eux autres qui vont t'offrir veux-tu un hôtel? Là, tu euh, leur dis oui ou tu leur dis non. Ouais, Veux-tu un char? <laughs> ouais, t as, t as, t as les Moi, je loue tout. Avec, euh, euh, ouais. euh, avion, hôtel, auto, je passe tout le temps par Expedia. Fait qu'à partir de là, j'ai une, euh, hum. une tranquillité ouais. d'esprit à savoir que si j'ai un problème, je sais qu'ils sont toujours là pour me baquer. Ouais. Mais j'ai arrivé des problèmes, des affaires, que je suis arrivé une location de voiture, il n'y a plus de voiture. Hé hey. Mais oui, C'est maintenant leur responsabilité de trouver un véhicule avec une autre de leur compagnie. Et eux autres s'organisent. Eux autres ah, s'organisent ouais. parce que toi, tu as payé. Ouais. Toi, tu as déjà mis ta carte de crédit en dépôt. Exact. Donc, à partir de là, tu es un client qui s'occupe de toi. Puis ouais. je te dis, c'est comme Costco que vous allez. Les Québécois aiment le Costco, là. Ouais. mais comme Walmart ou Costco. Leur pouvoir d'achat est gros. Puis le customer service est phénoménal avec eux autres, ils sont super bons. Oui. Fait que c'est sa façon, la façon de voyager puis c'est la façon de faire. Ok. Autre sujet, mon ami. As -tu On sujets? a encore. Euh, en fait, moi je voulais surtout te parler de l'histoire, parce que ça me fascinait parce que les Québécois, euh, les hauts et les bas au début des années 90, puis par la suite depuis 2000. Euh, en fait, je te dirais depuis une dizaine d'années, c'est fantastique l'augmentation les, les, des chiffres qu'on a, c'est Incroyable. Et les gens, bon, je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais les gens dans les euh, NatBank ou des Jardins Banques de ce monde peuvent, si vous voulez, vous acheter de l'immobilier sans Floride, linker avec vos propriétés ou liquider que vous avez ces propriétés du Québec. On n'est pas des courtiers immobiliers. Non, du tout. Mais des courtiers québécois, moi, j'en connais facile, là, juste sur le nord, le sud-est de la il y a, tout, il y a 13, 14, 15 à peu Des plus. avocats, des notaires, des euh, ouais. real estate, ouais. des agents immobiliers, il y en a. Des gens pour vous aider, des avocats d'immigration, tout ça, qui parlent français, ouais. il y en a partout. Allez vous inscrire sur les sites. Facebook, Instagram de ce monde, vous savez les sites. Oui, oui, euh, oui, oui. Le, le Courrier de la Floride est bon, les oui. autres ils en parlent régulièrement. Il y a des pages euh, Snowbird, euh, il y a des gens qui posent des questions généralisées. Oui. Hey, Connaissez-vous euh, J'habite dans tel secteur, j'aimerais aller dans le coin de Sarasota, exemple. Oui. Je me cherche un, un, un agent immobilier québécois qui habite dans le coin de Sarasota. Il y en ça a deux, trois qui posent des noms. Il y a, a d'autres qui sont abonnés, ils posent des noms, tout ça. Tout le monde s'entraide. Ça, ça, je trouve ça cute. C'est. Les portails de référencement de Snowbird, là, il y en a, mettons, deux qui réunissent à peu près 85 000 à 95 000 membres. Oui. Et mettons qu'effectivement, tu poses la question je veux un courtier immobilier dans un tel secteur ils vont tous te répondre. Tu vas peut-être avoir 30, 40, 50 réponses. Mais quand tu vois que tu as 10, 10, 15 fois le même nom, ouais, c'est pas mal ça. Oui, ça, ça. ça donne pas mal une affaire. La seule affaire que moi qui m'agace là-dedans, c'est des gens qui essayent de se montrer. Euh, euh, plus brillant que la balance, c'est que la personne aille, « Avez-vous une référence souple. Puis le gars pose une question, puis eux autres, ils essayent de leur dire comment ça marche pendant qu'ils ne sont pas nécessairement des spécialistes, c'est juste leur expérience professionnelle. Ça, je trouve ça spécial. Laissez euh, à l'agent immobilier répondre, oui. laissez à l'avocat d'immigration répondre directement, oui. donner juste la référence. « Oh, moi, telle affaire, telle affaire. » Chacun une expérience différente, chacun... Moi, ça me fait penser. Mon père vient de l'assurance générale, oui. les automobiles. Hey, comment tu payes ton char? Comment tu payes des assurances ton char? Oui, mais ça va toujours être ton expérience de conduite. C'est quoi ton véhicule? Est-ce que c'est un véhicule qui est coté par les assureurs, qui est plus cher assuré parce que c'est un véhicule qui a beaucoup de réclamations? Mm -hmm. Soit que c'est des vols où il y a plus d'accidents. Euh, c'est quoi ton, ton, ton dossier de permis de conduire? Tu as combien d'années d'expérience? Comment tu as eu d'accidents dans les cinq dernières années? Fait, fait que tu ne peux jamais dire, ouais, mais toi, comment tu payes? Tu as là, chacun un dossier différent. C'est un peu là-dedans. C'est quoi Tu refères la personne, ouais. laisse la personne rentrer en contact avec la personne. Il y a quelqu'un qui t'a écrit là-dessus. Il y a un auditeur qui, qui, qui t'a écrit, puis il t'a dit, « Ouais, je, je pense qu'il a écrit justement là-dessus, ouais l'histoire du permis de conduire. » Ah oui, hey, ça revient, ça. C'est revenu une couple de fois, puis il y en a un je, spécifiquement, tu m'as fait un forward justement, de choses, histoire du permis de conduire. Ouais. L'histoire du permis de conduire, là, vous n'avez pas ouais. besoin d'aller là, je vous expliquer quoi faire. C'est super simple. Ouais. Ça vous prend une adresse ici, ça vous prend votre passeport, et deux preuves de, de, de facture que vous payez. Ouais. Euh, soit de vous calme. avez un compte FPL, un le compte de câble, de ouais. l'Internet, ouais. euh, ou euh, tout simplement euh, cellulaire. Ouais. Un compte de cellulaire vous avez à la maison. Donc, deux preuves que c'est marqué là-dessus ça peut être un compte de banque. Oui. Votre compte de banque, votre bank statement, voire une adresse dessus. Oui. Donc, vous pouvez montrer votre compte de banque, cellulaire, Internet. Vous en avez trois, j'ai dit juste deux. Là. Ça, ça en prend, prend juste deux de ça. Am, ouais, Mais vous en amenez trois en backup, ouais. puis vous amenez votre passeport avec ça. Ouais. Maintenant, vous, vous présentez au DMV vous dites tout simplement « Je veux avoir un permis temporaire. » Pas un permis de conduire. Ils ne prennent pas votre permis du Québec, puis le coupent. On parle d'un permis temporaire parce que je veux garder mon droit de mon permis de conduire au Québec. Elle dit « Ah, OK, c'est correct. » Vous avez un examen théorique à passer qui est 50 questions. Vous n'avez avez 60, mais vous devez répondre à 50. Okay. Okay? Si des fois la question est trop dure, exemple, combien de livres que vous avez le droit d'un tel trailer à un axle par rapport à deux Possiblement que tu ne pas, possiblement que je ne l'assais pas dans les réponses, vous avez le droit de skipper okay. cette question-là puis switcher un autre. Okay. qui est plus facile, vous avez le droit de switcher 10 questions là-dedans. fait que ne stressez pas. Là. Je connais beaucoup de monde qui l'ont fait puis tout le monde a passé leur examen. Okay. Okay? Si, si vous ne le passez pas, vous y retournerez une semaine après, vous y retournerez. Parce que vous êtes trop nerveux, ce pas la fin du monde. Vous présentez, vous montrez votre permis du Québec, right. vois puis vous dites que vous le gardez. Vous présentez les preuves. Vous payez, je pense, à peu près 50 le permis de conduire pour un an. C'est marqué sur le permis temporary. Oui. Puis ils vont faire votre permis, ils vont vous prendre la photo. Ils vont, ils vont un test théorique qui okay. prend à peu près 15-20 minutes. Okay. Après ça, vous allez, ils vont faire regarder dans le trou, voir si vos yeux sont corrects, vous êtes capable <laughs> de lire. Okay? Oui. Comme, comme il au Québec, à ça, c'est pareil. Oui. Puis à partir de là, ils prennent votre photo. Oui. Puis la madame, quand vous avez payé vos affaires, vous avez montré vos papiers, elle met ça dans votre dossier. Parce qu'elle à elle, elle Satan, vous allez renouveler l'année d'après. Okay. À toutes les ans, vous faites renouveler. Puis quand vous renouvelez, vous n'avez pas besoin de passer le cours théorique. Okay. Si vous renouvelez dans le temps. Si vous à passez cinq, ou six ou mois, ouais. admettons, votre permis était échu le 7 décembre, puis vous arrivez là au 8 avril l'année d'après, ben là, vous êtes obligé de repasser l'examen. Okay. Sinon, tu ne si, passes pas l'examen. Tu ne passes pas l'examen théorique. Tu fais tout simplement payer et renouveler. That's it. Une 50 tu, tu, tu prends ta photo, tu prends ta photo, puis je vous dis, là, c'est rapide. Euh, quand tu prends la, ta photo, puis le temps qu'il te donne le permis de conduire, c'est genre 15 minutes, c'est prêt. OK. Puis euh, tu es de la madame ou le monsieur te donne ton permis de conduire, tu pars avec ça. Merci beaucoup, bonsoir. C'est pas plus compliqué que ça. Je veux dire ne, que n'importe qui vous avance. Ouais, mais moins les affaires, c'est. Regardez, il fait ici, là. Oh, c'est ouais. le même, ça marche. Il n'y a pas de façon différente. Si vous arrivez à un DMV. Puis la personne refuse ou quoi que ce soit, il y a deux choix. Soit que vous avez, votre demande n'est pas correcte, vous êtes mal exprimé, qu'est-ce que vous voulez avoir J'ai bien dit un Temporary Driver's License, oui. parce que je veux garder mon permis du Québec. Exactement. OK euh, Ou soit seulement la personne est mailée. Allez voir une autre personne de DMV ou de voir une autre fois. C'est arrivé, moi, une personne. Que sa fille allait prendre son permis de conduire, tout ça, puis elle s'est faite revirer le bord au DMV, mais j'ai dit C'est quoi la question que tu as posée J'ai l'impression qu'il y avait un mix des deux. La personne du DMV n'avait pas bien compris et elle n'avait pas demandé la bonne chose non plus. Mmh. Okay. Bon, et la personne ne savait pas quoi demander, puis l'autre pas plus intelligente du DMV pour lui demander plus de questions sur le site aussi. Okay. Mais tu as le droit d'aller dans, dans, dans différents comtés. Mais ben oui, mais ben oui. As que que tu le ou non, as le droit d'aller dans le comté où tu es. En autant que tu amènes les deux preuves comme quoi oui. tu résides oui. à tel endroit. Tu n'as même pas besoin d'être propriétaire. Tu peux être un locataire avec un Et Vous allez online du DMV de la Floride puis oui. vous prenez votre rendez-vous online. Bien, Donc, ça, ça fait longtemps. C'est ça. Bon. Tu vas en ligne, tu prends ton rendez-vous à l'heure, tu, tu, ouais. tu te présentes 10 minutes avant, vous allez voir en avant, puis vous amenez vos preuves, puis la personne en avant vérifie, vous avez toutes vos preuves, vos documents, tout ça. Okay. Oui, elle vous donne un coupon, puis vous attendez. A 22, C 33, puis c'est le même, ça marche. Vous y allez, vous allez voir, le processus prend à peu près 45 minutes, puis vous sortez de là avec votre permis de conduire. Il n'y a rien d'autre de différent que ça. OK. Mais Parce qu'il y a des gens vous... qui veulent contester et dire Ah, oh, c'est pas de même, ça fonctionne. Oui, mais c'est pas de même, ça fonctionne. Non, mais il y a toujours des débats. Il y a des débats de la 81 et la 95 pour monter ou descendre la Floride. Ouais, mais Écoute, ça, oui. les gens qui prennent la 81 détestent les gens qui prennent la 95, puis vice-versa. Ouais. Hey, il n'y a pas de parfaite solution. Non. Puis prenez le chemin que vous voulez, puis ça vous change. Le chemin vous, voulez. Rien, vous pouvez prendre la US 1 tout le long jusqu'à Bangor Main aussi si vous ouais, voulez. Ça. <laughs> si vous voulez le faire une semaine ouais. en 7-8 jours, monter et aller voir tous les villages sur le coin. Ouais. Puis mais il y, y en a qui le font à partir de plus au nord, puis ouais, ils décident ça, de ça, faire oui, ça pour ça, aller ça. visiter des places. Tout ça, ça c'est chacun ses affaires, c'est votre ben, vie. Oui. Vous prenez des signes que vous voulez, voulez là-dedans. Mais euh, c'est la même chose ici. Si, si tu as un biais d'infraction oui. et euh, avec votre permis de conduire, vous avez, vous avez une adresse là. Oui. Oui. Ça. Donc, ça s'appelle Ticket Clinique. Ah oui, OK. Je t'ai parlé de ça à un Oui, il me semble que tu m'as. Donc, parlé tu ça. vas porter, ça coûte de mémoire, ça coûte 75 ils contestent. Donc, de ta place? automatiquement, oui. Donc, ils contestent à votre place, puis vous ne perdez pas de points de démérite. Il ne faut pas oublier que le, la Floride est linkée que le Québec. Okay. Donc, vous savez, un, une infraction ici, de vitesse, c'est rare, la police donne des infractions de vitesse ici, Oui, oui. Ils tolèrent jusqu'à 90, 95 000 c'est à 80. Sauf dans les quais. Je ne devrais pas te dire. Ouais. ouais, sauf dans les quais, certains endroits. Ouais. Mais Je parle de l'autoroute. Mais si vous avez un ticket, vous allez voir ticket clinique. Il y a beaucoup de Québécois qui ne savent pas ça. Vous allez, là, promener sa un peu partout, vous allez voir un signe se Ticket clinique, hein, c'est quoi ça? Ça, c'est un avocat qui ne fait que contester vos billets d'infraction pour 75 vous n'entendez plus jamais reparler. Un, vous ne perdez pas de points de démérite. Donc, le Québec, vous ne perdez pas vos points. Il n'y a personne qui entend parler de ticket. Mais où est-ce qu'il fait le, son argent? Le, le ticket qui est inscrit mettons, votre ticket était de 178 oui. Ok. Oui. Il vous coûte juste 75 vous n'entendez plus parler de rien. Okay. Ça, c'est. Il est arrivé, Martin, l'histoire qu'il y a quelqu'un. Ça, ça c'est les États-Unis. Ça, c'est le fun en l'État de la Floride. Il y a quelqu'un qui a contesté pour dire que c'était une taxe cachée des biens d'infraction qui ont gagné. Il y a un juge qui a accordé cette décision-là. Okay. Et à partir de là, il y a une jurisprudence comme de quoi les villes, c'est euh, une taxe cachée de donner des biens d'infraction pour la vitesse. OK. Fait qu'il élimine ça tout simplement. Si, mettons, vous êtes résident, puis vous avez trois, quatre billets d'infraction en dans deux ans, qui est déjà arrivé à mon garçon, un de mes garçons. Okay. Donc je parle en connaissance de cause. <laughs> euh, Bien là, il va dire ah, Vous devez faire un cours en ligne. C'est un cours de trois heures, mais okay. vous avez six mois pour le faire. Hein? OK. Fait que monnaie, tu peux en faire juste 15 minutes, tu ouais. fermes l'ordinateur. Okay. Tu as 15 minutes de fait. Il te reste 2h45. vous ouais. un une fois, en fait une demi-heure. Bon, mon gars faisait ça. Mon gars, l'a fait en deux mois, deux mois et demi. Il a pris son trois heures. Pauvre, c'est mmh. inscrit dans son dossier et c'est fait. Fait que lui, il a payé son ticket de clinique, mmh. mais le juge, il dit OK, son 75$, c'est beau, mais je le condamne à prendre le cours en ligne parce qu'il y a eu quatre tickets dans les deux dernières années. Ouais. Là, mon jeune, ou n'importe qui qui conduisait, je t'ai donné assez de chance. Là. Ouais, ouais. là, ça fait quatre infractions en deux ans. Là, va prendre un cours. Là. Va te rééduquer un peu. Ouais. Donc, il passe par la rééducation du client plus ah, que bon. d'autres choses. Ben oui, bon. ben oui, c'est bon. Mon gars m'a donné, il l'a compris. Là. Mais, mais à 75 celui qui reçoit le 75 il fait son argent où? Ben c'est pas super payé. C'est parce que lui, il en a des piles. Là. Toutes les fois qu'il va à dit ben non, non, non. Les a pas, il en a des piles. Okay. S'il y a des, des agences de tickets cliniques Martin partout, okay. c'est parce que c'est une business. Puis ouais. les avocats ne font que ça. C'est là où tu vas au palais de justice, là, tu regardes ah. les causes, là, le gars n'est pas, des fois, il peut avoir 40 là, clients d'un coup. Okay. Puis lui, c'est tout enregistré, puis il passe un par un, là. Okay. Avec le juge. Ah non, c'est ça. C'est ça, la Floride. C'est ça. Ah, c est, c est moi, c'est des côtés que je trouve je trouve le fun. Ouais. Tu sais, au lieu, ici, ils disent euh, es un, tu brûles du gaz, tu dépenses, tu vas au restaurant, des affaires. Bon, tu as étiquette Bon, OK, ticket, c'est une taxe cachée. Mais là, tu engages un avocat, tu fais rouler l'économie. Un avocat, il a un salaire, puis ouais. il va en cours, puis les affaires, eux autres, ils affaires autres. Ça rentre dans le système. Puis, moi, c'est des côtés que je trouve. Euh, Fantastique. Hey, J'en reviens sur les portails de, de Snowbirds en Floride. C'est tellement le fun de lire ça. Effectivement, ce n'est pas tout de vrai ce qui se dit parce que c'est le commun des mortels qui se parlent entre eux, finalement. Mais euh, une chose qui était écrite dans les dernières heures, parce que là, on, faut dire qu'on enregistre environ six épisodes en trois jours. Euh, on est à peu près le 9 avril. Et c'est le Masters euh, en fin de semaine oh, à Augusta. Oui. Et quelqu'un écrivait, est-ce que. Euh, je pars, mettons, jeudi matin, je m'en vais ouais. en direction du Québec, je passe à 95 en Géorgie. Est-ce que j'ai des chances de frapper le trafic euh, du jeudi ou whatever? Pas du tout. Tu peux répondre? Non, pas du tout. Okay. Pas du tout, c'est pas, pas, pas le chemin. Il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez de. de ben non, tout le monde vient de partout des États-Unis. Je veux ouais. dire, s'il y a du trafic, c'est plus des jets privés à l'aéroport local que là. Oui, Augusta. mais ben non, on parle d'Augusta. Ouais. Le tournoi de golf, Martin, est sold out deux, trois ans d'avance. Mais c'est quoi, 50 000 personnes sur le terrain? Oui, mettons c'est 50 000, ouais. mais je veux dire, les maisons sont louées, les airbnb sont loués, oh, tout ouais. est loué d'avance. il gens aura pas, ben ouais. pas de trafic non, il n'y aura pas de trafic, à 95 pour aller là, là. Mais tu vois le genre de questions qui se oh, posent. Oui, ben oui, ben oui. C'est correct. Il n'y a aucun problème avec ça. Si vous frappez du trafic, c'est parce que c'est une journée qui a du trafic, ouais. tout simplement. Mais c'est drôle parce que les Québécois, on a l'habitude, je dis «on», mais je veux m'exclure, on a l'habitude de partir le même, parce que ça… La question se pose souvent, est-ce qu'on part la semaine ou est-ce qu'on part la fin de semaine? Ceux qui prennent la 81, par oui. exemple. Oui. Et beaucoup de gens vont répondre Moi, je pars à telle heure du matin. Fait que là, je pars, mettons, du sud-est de la Floride. Je monte, je sauve Jacksonville. De toute façon, je prends la 2,95. Je, oui. je monte en haut. À partir du moment où je bifurque, parce qu'il y a différentes façons de bifurquer, la 77 oui. et ainsi de suite, la 6 puis la 81. Mais au moment où tu as bifurqué, bien, si tu réussis. En fait, dans mon cas à moi, je couche toujours dans la fin d'une grosse ville. Pour que le lendemain matin, je n'ai pas le trafic. Je pas traversé, ben oui. J'ai pas traversé cette ville-là. Donc, je finis oui. la ville. Vous ne couchez dernière pas à ville. Washington, DC. Vous couchez à Fredericksburg, mettons, oui. passé, ou à Roanoke qui est après. Ben oui. Exact, exact. Quand, vous, quand vous descendez du Québec, ça c'est sûr et certain. Moi, j'ai toujours monté et descendu ça par la 95. Tout le temps. J'ai jamais eu de problème. Euh, la seule chose différente où ce que j'arrive, c'est que c'est rare que je prenne la 87. Puis passer par Champlain. Ouais. Moi, je prends la 95 puis je vais connecter sa 91 puis je passe en Nouvelle-Angleterre. Ah, OK. Vers Donc, le Vermont? Oui, je passe toujours dans le Vermont puis je passe par Stansted puis Stansted. dans l'estrie pas loin tout, de ma là. Tout, tout, ah. Exactement. Okay. Une des raisons, c'est que beaucoup de police à 87, à okay. partir d'Albany en montant jusqu'à oui. la frontière du Québec, oui. euh, vous ne passez pas 112 km/h là parce que la police fait un plaisir de vous donner l'étiquette. Ouais. Euh, même si vous avez Waze, avec Google Maps, où oui. vous mettez oui. votre Waze, ce qui est important. Mettez votre Waze tout le temps quand vous montez. Waze, ce n'est pas, euh, pas parfait, mais Waze va vous sauver euh, 75-80 des problèmes qu'il va y avoir. Mais explique aux communs des mortels ce que c'est. C'est du monde entre eux qui se disent à quel endroit qu'il y a des spots de radar. Exact. Ça? Et des spots de radar, ou qu'un accident, ou qu'un ah. trafic, c'est que les gens sur, euh, sur la map qui montent, s'ils voient. Mettons un véhicule qui a perdu un pneu et qui est en bordure de route, bien, okay. il va mettre clic, 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 il va mettre il un véhicule sur le bord de la route à tel, tel endroit, puis il va mettre un marqueur, boum, boum, boum. S'il y a une trappe de police, il va mettre il y a une trappe de police à tel endroit. Ouais. Puis je vous le dis, là les gens sont sur Waze. Moi, ça fait, hey, ça fait 15 ans que j'utilise ça, Waze. Fa... Moi, Moi, je ne peux pas, tu peux pas dit... dire, à Martin, comment de fois que ça m'a vraiment sauvé de la MARDE. La -E, ah oui. <laughs> oh oui, de la police, puis des trappes de police que je m'en venais vite, vite, vite. Même si je ne m'aurais pas fait arrêter, tu ralentis quand même un petit peu. Ou soit, tu tout simplement une grosse accident que, ouais. sur l'autoroute. Oh oui, ça, là, oui. Puis bon. dit faites un détour parce que là, il y a un accident, c'est jamais, puis tu vois tout le. L'autoroute qui est en rouge foncé, tu es un rouge pâle. Puis ah okay. le moniteur rouge foncé. Puis là, ils disent, ben là, ça va prendre peut-être 50, 60 minutes avant que ça déjambe tout ça. Fait qu'ils ouais. disent, la route alternative à prendre. Alors, oui, c'est extraordinaire. Mais on me dit là. que les policiers qui votent, des policiers sur leur temps et sur leur téléphone cellulaire perso, Oui. Qui font de fausses informations sur Waze. J'ai jamais entendu parler. De ça. toi, tu as des drôles d'informations. <laughs> ils n'ont même pas le droit d'être sur leur cellulaire, s'ils si se font prendre. Ouais, ben mais non, Ça, ouais, oui. ça c'est une autre histoire, mais donner ouais. une fausse information, s'ils si se font prendre, c'est sûr qu'ils se font suspendre. Ouais, c'est sûr qu'ils jouent pre pre Prenez pour acquis, là, ouais. pour descendre en Floride ou, monter, ou remonter au Québec, ouais. montez sur votre Waze, c'est extraordinaire. C'est pas, pas le pape. Ouais. OK, on s'entend. Même le pape n'est pas parfait, non? Non. Ça, c'est une histoire d'histoire. Comment ça me gagner le pape? <laughs> le pape, il n'est plus capable de lire l'Église, la, la messe au complet. Oui, c'est sûr. C'est pas, pas le pape, mais je vous le dis, c'est à 80-85 précis. Et à partir de là, moi... Pour moi, c'est positif. Ouais. C'est un aide. C'est une belle béquille à avoir. Ouais. Tu mets ton cellulaire là, tu mets ton Waze en même temps, tu laisses ton chose brancher parce que, quand même, le app gruge de la batterie. Ah, OK. Le Waze gruge beaucoup de batterie. laisse-le la plugger en permanence. laisse les plugger en permanence. Ouais. Regarde-le en avant de toi. Puis, comme je te dis, c'est une sécurité. Ouais. Ça peut être un accident en avant n'importe quoi. Les gens collaborent, les automobilistes collaborent super bien ensemble là-dessus. Euh, J'aime ça. Moi, ça m'est arrivé. Euh, au moins quatre, fois dans ma vie, qu'il y a eu des gros accidents. Je des, des routes alternatives des pour justement contourner. Le Waze me fait sauver des heures et des heures, là. Des, des problèmes, tout ça. Pas juste des trappes de police, mais des, vraiment des gros accidents. OK. Écoute, euh, une autre question qui était. Puis je termine là-dessus parce que c'est pas mal la fin de l'épisode numéro 11. Mais euh, il y a des gens qui se posaient la question, à savoir en montant par la 95. Je, je sais que tu ne retournes pas au Québec, là, au Canada. Oui. Mais en montant à 95, l'endroit où il y a eu le pont qui s'est écroulé à Baltimore, Baltimore est-ce que c'est problématique pour la pas circulation? Du tout, pas du non? tout. Ce n'est pas un endroit que les gens passaient en auto. OK. okay. C'est vraiment un port de, que, qui passait euh, des matières dangereuses et tout. Okay. C'est pour ça qu'il y a un peu de panique, parce que c'est un des ports qui passait le plus de matières dangereuses qui sortaient des États-Unis. Oh. Fait qu'en étant bloqué, ben, okay. il y a beaucoup de produits qui ne font pas sortir. C'est pour ça, à un moment donné, il y, y a des gens qui ont parlé de terrorisme. Ouais. Puis c'est organisé là. Bah, au Mais début des ben, premières minutes. C'est ça. Mais là, c'est pour ça qu'ils ont libéré, au bout de 4-5 jours, ils ont libéré une partie pour que les bateaux... Puisse passer et okay. sortir le stock de là. Mais je pense que c'est toi qui m'as avisé de ça le, le matin. Oui, je t'envoyais. Ouais, <laughs> tu te lèves de bonheur en, en... Ouais. Je t'envoyais ça genre à 2h30 <laughs> du matin. Je me okay. suis réveillé pour aller aux toilettes chez nous. Puis j'ai vu la nouvelle. Puis c'est arrivé genre à 1h38 de la nuit. Ouais, ouais. Puis c'est parce qu'il arrive des fois des drames. Ouais. Mais ce drame-là, on avait le vidéo live. Ah oh, oui, oui. Mais c'est le premier coup, j'ai regardé ça. Le, le bateau rentrait là, même avec le bruit. Puis là, après ça, je vois le pont s'écrouler. On dirait que c'était des Legos ou des. Oh oui. des, des, des Mais c'était C'était pour... tellement tranquillement, on dirait que c'était au ralenti. Bien, c'est ça, c'est qu'à un moment donné. Tu te demandes, ce pas quelqu'un qui n'a pas créé cette vidéo-là. Là, mmh. là j'ai été vérifié à trois quatre places. Je dis, ben non, c'est oui. vrai, c'est vrai. C'est Joe Nouvelle un peu partout. Puis là, la, la, la chose, c est, c est, oui, c'est bol. Mais c'est drôle quand tu m'envoies ça, surtout les commentaires que... D'abord, tu es un gars de X, tu es un gars de Twitter. Oui. Ça paraît parce que tes commentaires sont très courts et très drôles. Il y a oui. un mot ou deux points. Après oui. ça, tu vois l'image, mais je voyais pas le lien. J'ai regardé l'image. Non, moi, euh, X, c'est extraordinaire. Twitter, ah, ouais. c'est extraordinaire. C'est drôle. Beaucoup d'humour sur oui. X. Oui. Euh, je suis beaucoup plus un gars de X qu'un gars de Facebook. Oui. C'est ouais, ça. Puis ouais, 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 euh, quand vous loguez votre feed de nouvelles de X, il y a des gens hyper intéressants à suivre là-dedans. Puis ouais. euh, la nouvelle va vite. Va vite. C'est là que ça va le plus vite. C'est extraordinaire. Facebook, c'est un autre patent. Facebook, c'est après. Dans mon livre à moi, c'est après fader un peu. Instagram est meilleur. Ouais. Euh, le feed d'Instagram est, est de, de loin supérieur. Facebook, pour moi, dans mon livre à moi, c'est après mourir tranquillement. Okay. Euh, les jeunes ne prennent plus Facebook. C'est plus des boomers qui prennent le Facebook. Ouais. Euh, les jeunes ne prennent plus Facebook. Les, les, non, jeunes tu... sont, les jeunes sont sur Instagram. C'est Instagram qui marche le plus avec TikTok. Moi, je ne TikTok, des raisons personnelles. Okay. Euh, ah ouais. Okay. Bah, TikTok, moi, euh, moi, je suis pas très chinois. Moi. Mais, mais, mais en La Chine, technologie... TikTok, c'est uniquement du... Euh, de l'information, c'est pas des. des... Gague, ouais, des, des on ne rentre pas là-dedans, là, mais ouais. il y a une raison pourquoi ils sont ici en Amérique du Nord. Ça, ça, bon. ça, ça, ça brasse beaucoup TikTok. Je ne suis, suis pas un gars de TikTok. C'est bon, C'est bon. hey, la fin de l'épisode numéro 11 de la Florida, yes. le podcast. Merci à François Forget de Caméléon Productions. Merci à Carl Sanson. Mon nom est Martin Clavé-Bédard. N'oubliez pas, podcast ou balado disponible sur les plateformes que sont Spotify, Apple Balado, Google Podcast, Podcast Addict, YouTube, X. Faut pas l'oublier. On est reçu, euh, <laughs> ce podcast Addict? <laughs> oui. OK, podcast à hey. il y en a plusieurs qui me le demandaient. OK, ben là c'est François, tu as fait un bel job. Merci François Forget, puis on se reparle à l'épisode numéro 12. Au plaisir. Au revoir.